Fabrice Bonjour. Lefebvre. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet du Festival MAD quand ça vous a été présenté et qu'est-ce qui vous a décidé d'y participer? Ben déjà, la Méditerranée, la définition du nom du festival, hein, en fait, c'est vrai que c'est un terroir qui est vraiment l'ADN de ma cuisine, de ma personnalité. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans un autre style de cuisine. Et donc, associer la Méditerranée, la gastronomie, la santé, bon, c'est des points qui me semblaient très, très séducteurs, très importants. Et donc, j'ai de suite adhéré au programme, quoi. Aujourd'hui, on est donc sur place, verdict sur place. Maintenant qu'on voit un peu le projet, ce que ça donne, vous avez animé ce matin une masterclass. Verdict, qu'est-ce que vous en pensez? L'organisation a l'air déjà, pour une première édition, bien rodée. La masterclass est bien passée, il y a beaucoup de monde, un bon retour de l'auditoire, très sympathique. Donc pour l'instant, c'est que du positif, quoi. On dirait que c'est déjà un festival qui a quelques années derrière lui. Pour une première édition, c'est déjà bien rodé. Et donc on est là aussi donc, pour parler, comme vous le disiez, de cuisine, de Méditerranée. Ouais. Quels sont, vous, les produits que vous affectionnez, travaillez, qui représentent, qui symbolisent au mieux la cuisine méditerranéenne? Alors moi, il y a un produit que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas très répandu dans les restaurants gastronomiques, c'est le poulpe. D'ailleurs, j'ai donné le nom de mon restaurant qui s'appelle Octopus, c'est le nom du poulpe en latin. Et c'est un animal un peu mystérieux, qui est très gourmand, qui est pas facile à mettre en œuvre quand on ne le connaît pas, mais que j'adore décliner en froid, en chaud, et que j'essaye d'avoir quasiment à l'année à la carte. Bon, là en ce moment, je n'en ai pas, mais voilà, dans les produits de Méditerranée, c'est les produits marins que j'affectionne le plus. Et dans les produits marins, j'aime bien proposer des produits comme l'anguille également aussi, qu'on ne trouve pas forcément dans les cartes de restaurants étoilés, pour essayer d'amener les gens justement à découvrir ces produits qui ont des grandes qualités. Voilà. Merci beaucoup.